Salut à tous, c'est Leroto, bienvenue dans Lost Tomb Raider 4, la révélation finale. Une fois sorti des entrailles du Sphinx, on doit aller dans la pyramide du Menkaure. Cependant, certains obstacles vont nous y empêcher. Nous allons tenter de les déjouer. Ici, des balles de Uzi à récupérer, je sors tout de suite mon lance-grenade, car là nous allons avoir des nouveaux ennemis que nous avons déjà rencontrés, mais en plus de petite taille. Là, ce sont vraiment les tailles XXL. Des ennemis que nous allons rencontrer, des scorpions géants. Donc ici, je me dirige par là, je sors mon lance-grenade avec mes super grenades, et ici, hop, on est parfait. Sur la gauche, ici, un autre scorpion. Donc attention de ne pas toucher l'autre garde, car sinon, il nous tue. Bien qu'il ait des balles de revolver, je ne vais pas le tuer juste pour cela. Ici, je peux sauvegarder afin de sauter ici et de ne pas mourir. Voilà. Ici, nous allons avoir un autre scorpion. Donc je ressors ici mes super grenades afin de le tuer. Je vais pouvoir aller en face. Alors ici. Là, je suis plus près. Je ressors ici mes Uzi. Voilà, il m'a touché. Donc là, je vais devoir prendre une petite trousse de soins afin de me soigner et ne plus être empoisonné. Voilà. Donc vous avez vu, ici, je vais prendre mon revolver. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Ici, je saute là, ici, ici et ici, afin d'arriver par ici. Alors ici avec un insecte. Ici, je vais sauvegarder car je vais devoir récupérer une clé, tuer un scorpion qui a un garde dans ses mains. Et si je ne tue pas le scorpion avant, je ne pourrai pas récupérer le secret dans une prochaine vidéo. Donc ici, je sors tout de suite. Voilà. Allahu Akbar. J'ai bien cru ma dernière heure venue. Tenez, prenez ces clés. Et cachez-vous dans la pyramide de Menkaure. Il ne faut pas que cette horreur vous prenne. Voilà, donc il m'a donné des clés que j'aurais récupérées de toute façon. Ces clés-là, les clés des gardes, mais j'irai aussi récupérer la clé de l'armurerie, qui m'amènera de toute façon à avoir d'autres armes, et qui sera l'avant-dernier secret, je pense, de ce jeu. Donc là, nous sommes à 64 secrets, si, voilà, je ne me trompe pas. Je récupère les items dans cette salle. Voilà. Les différents items, et là, je peux ressortir. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit ici. Et ici, on se dit, bah, comment je vais revenir? De toute façon, ça, c'était que glissant. Ici, je m'accroche là, et regardez, je vais pouvoir me diriger par là. Et aller tout au bout, vraiment tout au bout, pour ne prendre aucun risque et ne pas tomber dans la fosse. Donc on se dirige vers la gauche tout le temps. Voilà. Et là, je peux me laisser glisser. Je vais pouvoir monter ici. Hop. Non, je peux pas monter ici, pardon. À vouloir que je monte d'abord par ici. Ici. Et là. Là. Un ennemi que je tue. Et je vais devoir aller tout là-bas. Un autre ennemi arrive. Et là, on va pouvoir grimper. Ici.
ici, là, là, encore ici, et là je peux aller en face, là. Je tue celui-là, et il y en a un autre juste de toute façon à côté de la porte. Ah bah non, c'était celui d'à côté de la porte. Ici je vais sauvegarder. Alors, il est loin la disquette de sauvegarde. Je vais ouvrir la porte, mais ne pas rentrer tout de suite. Car il y a le 65e secret à aller chercher. Ici, je me mets bien sûr le côté. Et en plus, on va avoir un autre sorte de scarabée. Hop. Qui est là, qui va venir m'emmerder. Voilà. Qui va venir m'embêter, pardon, excusez-moi, du langage entrepris. Et vous voyez, là, il y a un revolver. Donc je saute ici, récupérer déjà la petite trousse de soins ici. Et le revolver là-bas. Donc j'ai ouvert la porte, car dès que je vais récupérer le revolver, hop, 65e secret, mais le problème, c'est qu'il y a des genres de scarabées qui arrivent. Hop, j'arrive ici, et je suis donc ici dans la pyramide du Menkaoor. Vous allez voir, hop, si, dans la pyramide du Menkaoor. Ici, je dois éviter ces quelques pièges, mais aussi les chauves-souris qui y résident. Donc là, je peux passer tranquillement. J'ai réveillé quelques... quelques squelettes, quelques momies, pardon. Ici, je vais pouvoir prendre mes traits normaux. Car regardez Lara, quand elle va arriver ici, elle va regarder quelque chose. Et je vais devoir détruire cette étoile. Voilà, vous avez entendu qu'il m'ouvre une trappe. Donc ici, je prends mes traits explosifs. Car ici, nous allons avoir... Donc là, je vais activer la chauve-souris. Voilà. Je vais reculer. J'ai tiré dans le vent. Voilà. De toute façon, j'ai assez de traits explosifs comme ça. Ici, je peux descendre. Et là, on va faire attention. Car dès que je vais sauter, des pics arrivent. Et ici, je peux sauter directement. Là, encore des momies avec... Ici, une chauve-souris. Donc là, j'attire les trois encore. Je me mets par ici. Bon, j'ai mal joué. J'aurais pu tuer les trois d'un coup. C'est pas grave. Je me... Là, deux chemins. Je vais d'abord sur la droite, car là-bas, il y a un levier à actionner. Donc ici, je prends donc... Je sauvegarde afin d'aller ici. Je stabilise ma corde afin d'aller prendre l'autre là-bas. Hop, on y va. Aïe aïe aïe. Ouh. J'ai cru que j'étais trop court. Eh ben elle a bugué. Ah, elle a bugué, je crois. Ah voilà. Tout juste. Donc ici je peux y aller, voilà. J'active ce levier. M'ouvre une porte là-bas. Ici, on va refaire le même chemin. Bah voilà, parfait. Allez, on recommence tout de suite. Heureusement que j'ai enregistré, car sinon, ça aurait été compliqué. Donc ici, j'attrape cette corde. On se balance. Ah, je vais être court. Aïe, aïe, aïe. Allez, on recommence aussi. J'ai réussi pourtant à l'entraînement du premier coup en plus. C'est ça qui est pas juste. Allez, on se balance.
Voilà, je viens de la récupérer. Ici, je descends et on y va. Voilà. Ici, j'active le levier donc. Et là, on va pouvoir y aller. Je vais re-sauvegarder. Comme ça m'évitera de refaire la même chose. Mais pourquoi elle ne s'accroche pas, cette bougre de Lara? Hop, allez, on y va. Voilà. Là, je suis bon. On va pouvoir se balancer. Ça, vous avez pu voir. Comment mourir ici? Là, je peux me rebalancer. Voilà. Donc là, le levier est activé. Je me dirige sur l'autre côté. Et c'est exactement la même chose. Sauf que là, je vais aller dans la trappe. Hop, j'attrape ceci. On se balance, comme dirait François Pérusse, et nous nous balançons. Et je suis trop court. Bon, heureusement que je sauvegarde. Là, c'est pas très. Encore une fois, le niveau de jeu est faible ce soir. Voilà. J'attrape cette corde. Hop. Et on va par là. Et je suis bon. Voilà. Ici, un ennemi comme vous le voyez. Je prends mon fusil à pompe et j'essaye de le tuer. Est-ce qu'il est tuable déjà? Je sais même plus. Parce que. Ouais, si, il est tuable, c'est bon. Parce qu'à l'entraînement, je n'ai pas essayé de le tuer. Voilà, ici, je récupère donc ceci qui m'ouvre une salle. Et ceci, c'est la clé du rayon occidental. Et d'ailleurs, il me reste combien de balles de fusil à pompe? Je suis large. On a besoin de quatre clés. Donc du rayon occidental, oriental et puis deux autres encore. Et en fait, ceci va nous permettre d'aller voir 7. Donc on a besoin de ces quatre choses. Mais pour l'instant, on n'en a qu'un seul. Donc les autres, il va falloir aller les récupérer. Donc ici, je refais les mêmes mouvements. Je vais aller récupérer ici cette corde. Voilà. On va remonter par où nous sommes descendus. Ce n'est pas là. Ah si, bah si, je crois que c'était de l'autre côté. Et là, c'est là que ça s'est ouvert. Donc je peux descendre. Ici, je me dirige par là. Ouh, j'avais oublié ce petit piège. En effet, allez, on recommence tout de suite. Ah là là, je suis pas attentif du tout. J'ai complètement oublié ce piège. C'est pas bien grave. Allez, ici, on saute. De toute façon, c'est bon, on maîtrise maintenant. Il suffit que je dise ça pour mourir de toute façon. Donc, faut quand même que je fasse attention. Ici, je me mets bien au centre. Voilà. J'attrape la corde. Je vais pas me balancer tout de suite parce que je suis capable de mourir. Voilà. Donc, on remonte. Ici,
on remonte aussi, on va tout de suite sur la droite. J'allume ma torche. Ici, une sauvegarde. Hop, je m'abaisse. Et je peux y aller. Je remonte. Et ici, on commence à connaître le truc. On se met ici. Alors, Lara. Ah oui, comme ça, ce sera peut-être mieux. On voit rien. Ici, je monte. Alors là, je crois... Il y en a deux. Et voilà, très bien. Et en plus, je crois que je me suis fait empoisonner. Tout va bien. Et je crois que j'ai perdu pas mal. J'ai encore 14 super grenades, donc ça va. Donc je me dirige par ici. Voilà. Et là, nous avons un bouton. Qui m'ouvre la pyramide au-dessus. Avec, comme vous avez pu voir... un autre scorpion. Géant qui est arrivé. Ici, donc, nous allons pouvoir grimper. Ici. Donc, attention d'être bien dans l'angle ici. Alors, je vais sauvegarder parce que ça m'est arrivé de tomber. Plus d'une fois. Alors, on va bien se mettre. Voilà. Ici, je m'accroche et je peux descendre. Me voilà ici dans une zone. Donc attention de ne pas tomber. Car sinon... c'est la mort. Je continue ma route ici. Ici, on doit faire attention à ce piège. Je m'accroche. Ici, une ouverture, donc on ne va pas y aller maintenant. On doit d'abord aller activer un levier. L'ouverture qui est là. Je pensais que c'était l'autre côté. Hop, on y va. Le levier est là-bas. Ici. Enfin, c'est même pas un levier. Ça m'ouvre la porte en question qui était bloquée. Donc ici, je peux revenir. Oh là là, là là. Que c'est bête. Allez, on se retrouve là. Bien, me revoilà ici, donc je vais aller activer la tige, là. Voilà, voilà la tige, quoi. Pas d'autre mot, hein. Ici, je me raccroche, voilà. Et on y va. Là où la porte sera ouverte. Ah sinon là, on aurait une porte fermée. Ici, je vais aller chercher l'autre secret de ce niveau. Donc on se met bien sur la droite ici. Hop, et je récupère le 66e secret. Ici, on descend. Pour ne pas perdre de vie, on se raccroche. Me voilà ici. Et là, je peux remonter.
Donc voilà, on se quitte là pour aujourd'hui. Donc on se retrouve encore pour l'ensemble archéologique du Sphinx, mais on va se retrouver, qui n'était pas un secret, mais on va aller ouvrir la porte là-bas avec la clé du Garn. Donc voilà, salut à tous, c'était Liroto, on se retrouve prochainement pour la prochaine partie. Bye bye!